Vous aimez jouer, vous aimez les mots, vous aimez jouer avec les mots, mais oui et vous aimez la langue française. J'ai un livre pour les plus petits à partager avec votre enfant. Formidable à vous proposer, ça s'appelle Cocorico. C'est Mathis qui a écrit ce livre pour Thierry Manier et comme vous le voyez, c'est un imagier domino des animaux. Alors je vous vois venir. Mais oui, vous connaissez, mais oui, vous utilisez déjà tout ça sur les tablettes. Une grenouille. Un ressort, association d'idées, évidemment. Et vous avez connaissez le principe, vous le savez déjà. La vache, c'est le biberon qui s'invite. Si on va sur le mouton, ce sont des aiguilles à tricoter. Mais au fond, ce qui est intéressant avec le média du livre, c'est que là, ce qui est plus important, c'est, ce sont tous les mots que vous allez convoquer, tous les souvenirs qui vont se rappeler à vous. Inutile de vous dire que quand on aborde euh, une radio avec un perroquet, si vous n'êtes pas là pour accompagner l'enfant avec les histoires de votre père qui écrivait et écoutait telle ou telle radio, ce, ce, ce vieil objet qui n'existe absolument plus. L'enfant ne va pas pouvoir mettre une idée derrière ce concept, il ne va pas pouvoir rendre vivant euh, l'objet radio, alors que si vous racontez, si vous vous souvenez de ce que vous avez pu vivre, d'un seul coup, eh c'est un univers, c'est votre histoire, et c'est une relation qui est en train euh, de se créer beaucoup les illustrations de Matisse, on n'est pas loin euh, des émoticônes, c'est plein de couleurs et à chaque fois, eh bien, en gros la limite c'est quoi Votre imaginaire. Et ces questions à lui, et en général elles sont sans fond, ça s'appelle Cocorico, c'est sorti chez Thierry Manier. Cocorico, Matisse, édition Thierry Manier.